Bonjour à tous et à toutes, c'est Yorick, on se retrouve pour du Spider-Man, Marvel Spider-Man, avec l'accent américain bien sûr. Et donc, pour information, j'ai un peu joué de mon côté, mais j'ai payé que de la du collectible en fait, pour vous épargner un peu ça. On va dire que dans les vidéos, je vais essayer de pas faire trop de collectibles. Je vais juste faire en passant, tu sais, s'il y a des trucs en passant. Mais voilà, j'ai fait un peu tout le sud. En fait, j'ai fait Chinatown une bonne partie. Il y a des trucs verrouillés, je sais pas ce que c'est. Verrouillés, je sais pas ce que c'est. Mission annexe, ok. Et ici, j'en ai fait aussi. Du coup, j'ai fait tous les sacs à dos, les monuments, le repère de fixe, les stations de recherche, les chats. Du coup, les trucs verrouillés, je sais pas ce que c'est. Et voilà, donc là j'ai fait aussi d'autres. J'avais commencé un peu à faire ce quartier-là. Et du coup, bah nous on va se diriger vers le meeting de notre cher Norman Osborn, où il va récompenser notre ami le policier qui était avec nous la dernière fois, qui je crois est le père de Miles Morales, si je ne me trompe pas. C'est possible que je me trompe parce que je suis pas forcément toujours très. Ils vont finir par se faire mal à se tirer dessus. Ah, par exemple, ça, on peut les faire en passant, ça fait toujours plaisir. Tenez bon! La cavalerie est au bout du fil! Qui est dans la voiture là? Ah, il est sorti. Je crois que c'est bon. Tout le monde va bien? Les démons se battent comme s'ils étaient possédés. Alors du coup, quand je suis tout seul, j'essaye aussi de faire des perfects dans les trucs secondaires là de crime, mais bon. Là, le but c'est de le passer vite quand on passe comme ça. En fait, l'avantage d'avoir fait des collectibles tout seul, c'est que j'ai de quoi acheter. Donc, on voit un 15 de recherche, 20 de monuments, 4 de repères, 7 de crime. Par contre, il me manque ouais, les jaunes là, je sais pas ce que c'est, 14 de sac à dos. Et du coup aussi je suis niveau 14, donc comme ça avance bien au niveau des jalons et des techniques et tout ça. Pour pouvoir être au mieux pour le surtout la trame principale, et je garde aussi les missions annexes bien sûr, qui sont des missions. Je fais juste quand je dis que je fais du contenu annexe de mon côté, c'est vraiment. Vraiment les collectibles, les trucs un peu, voilà, les sacs à dos, les trucs de recherche de sciences là qui sont pas forcément, franchement, passionnants à faire, mais bon. Donc là, on doit aller voir un ancien immeuble de fisc, si mes souvenirs sont bons. Parce que le policier qui est donc le père, je crois, de Miles Morales, hein, si j'ai bien compris qui c'était. Doit se faire décorer, donc il n'a pas la possibilité d'y aller lui-même. Donc il nous a demandé si on était chaud. Jeff, j'y suis. Qu'est-ce que vous voyez? Trouvez les autres. Le chef veut pas de survivants. On dirait que les démons s'installent sur le territoire de Fisk. Vous pouvez gérer? Ouais, je m'en occupe.
Coucou, Spanier. Oui. Moi, je suis chef. Oui, tu vas avec Chase, oui. Oui. Vous avez ce que vous vouliez. C'est pas la peine de nous tuer. Le territoire de Fisk est à nous désormais. Pas encore. Yo Wally! Toi! Super la combi, ça t'amincit! Ne te mêle pas de mes affaires! Attends, les démons, qui est leur chef? Protège mes hommes et je te le dirai peut-être. Je vais devoir sauver des méchants d'autres méchants, alors celle-là, je m'y attendais vraiment pas. Vas-y, fonce, c'est rien! Oh là. J'ai esquivé trop tôt. Je les ennemis avec les fossiles, là, je les déteste tellement. Restez là, vous deux. Attendez la police. C'est toute leur attente, on devrait faire le tour de l'extérieur pour trouver des hommes de plus. Mais Léonard, quoi? Appuie sur bleu. Appuie sur bleu, Léonard. Mais... il veut pas faire l'esquive glissée, quoi. C'est dingue. Voilà. Mais...
tenir, ça. Salut mon grand. Quoi? Ah mais... Oui, t'as réussi à trouver les trucs. Bien. Ouais. Ouais. Merci. Fisk, tes hommes vont bien. À ton tour. Qui dirige les démons? Fisk, il est là. Peut-être pas. Va voir sur le toit. Ces discussions obscures m'avaient manqué. Bonjour. Oh, sérieux? Dites-moi que je rêve. Non. On m'a signalé un hélicoptère avec une boule de démolition. Ouais, la situation avec les démons, c'est compliqué. Bougez pas, Yuri, m'en occupe. Ouais, bravo, Spider-Man. Que j'y arrive. En fait, ce qui m'énerve, c'est que c'est toujours trop rapide. Bon, des roquettes. L'hélicoptère est en train de détruire la ville. Je sais. Vous devez absolument l'arrêter. Je sais. Vous pourriez peut-être super agir plus vite. Je fais de mon mieux, Yuri. Je vous rappelle.
Ah bah oui. J'appuie sur la touche, mais... Heureusement qu'il y a le Y un peu... miraculeux, on va dire. J'espère que je vais pas le regretter. Vous demandez d'arrêter cet hélicoptère, monsieur. C'est un peu plan. Remplacez cette piste. Vite, n'est que le commencement. Il faut que j'arrête les moteurs de l'hélico. Ah, je me rappelle que j'avais galéré ça. Tu n'auras pas. Pardon ? J'ai pas compris là. Un plan. Je vais le quitter comme je pouvais. Ce sera ça le plan. Allez, tu peux le faire. Tu peux le faire, tu peux le faire. Allez, tu auras pas. Pas lequel j'ai loupé, hein. Cela j'ai mitraillé comme pareil que t'as juste avant. Et... Il est super classe ce masque. Tu l'as acheté où? Oui, ça, mais... Cool. Merci. Ils ont un site internet. Yes. Oh là là. Hey Yori, j'ai attrapé les méchants, mais. Mais quoi? Il va falloir que vous apportiez une échelle. Allez, Miles. Eh, hey, fanboy. Ah bon, parlons de Miles Morales. Oh merde, tu es en retard. Tu viens pas? Non, je dois aller à la cérémonie de mon père à l'hôtel de ville. Ah ouais, c'est vrai. Bah, félicite ton père pour moi. MJ, la cérémonie a déjà commencé? Il s'installe encore. Où t'es? J'ai eu un empêchement. J'arrive bientôt. Alors, qu'est-ce que j'ai eu de nouveau? Allez, je connais mieux pour me contre-mettre. Je sais pas encore sur quoi me mettre en fait.
j'ai... On s'acharne pas sur les stats quand on balance le truc. Ah, je peux pas laisser ça passer, ils sont juste en dessous. Mais sincèrement, entre nous, vous avez eu une enfance difficile? Un papa démon trop présent? Une maman démon négligente? Oui, pour aller trouver les canards. Ouais. Voilà l'entrée de la Seine. Et on sera juste devant. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde. Tout se passera bien, chérie. Et la dernière fois que j'ai fait un discours, c'était au lycée. Madame Steinberg m'avait mis un C-. Eh bien, Madame Steinberg serait fière de toi aujourd'hui. Eh, hey, ça va le faire, papa. Sérieusement, t'as sauvé Spider-Man, je suis sûr que ça fait de toi un vrai super-héros. Un super-héros? Ouais, ou disons plutôt que je suis un dur à cuire. Viens, chérie. Bienvenue à tous. Avant de donner la parole à Monsieur le maire, j'aimerais vous dire quelques mots. C'est une chance pour notre... Alors ? Je crois que cette guerre des gangs est enfin terminée. Genre, terminée pour de bon ? Je crois. Je veux dire, à part quelques détails qui restent à régler. Des détails ? Eh bien, j'ai vu un camion de la société Consolidated Shipping quitter les lieux. Et il y a quelque chose de pas net. Mais je sais pas quoi. On pourrait aller prendre un café après ça, et résoudre cette énigme. Ouais. Eh bien, merci beaucoup. Je n'aurais pas dit mieux moi-même, mais je vais essayer. Nous savons tous que l'agent Davis est un héros. Mais on pourrait peut-être dîner ensemble au lieu de prendre un café. Je pourrais venir chez toi, je cuisine. Ou alors, on pourrait se retrouver dans un lieu parfaitement neutre, pour un repas tout à fait normal, cuisiné par des professionnels. Ainsi, pour ces actes d'une bravoure extraordinaire, dépassant de loin l'appel du devoir, j'ai l'immense privilège de remettre à l'agent Jefferson Davis la médaille d'honneur du département. Téléphone, monsieur. Je suis un peu occupé pour l'instant, Jim. Ça semble urgent. Toutes mes félicitations. Merci, monsieur le maire. Je dédie cette récompense à ma famille, à ma femme, Rio, et à mon fils, Miles. Sans leur soutien, je ne serais pas là aujourd'hui. Allô? Ça fait des années que j'attends ce moment. Qui est à l'appareil? Dans les jours à venir, votre société, votre ville et tout ce à quoi vous tenez vont disparaître. Les gens vous supplieront de les aider, mais vous ne pourrez rien faire pour les sauver. Écoutez, sombre crétin, des menaces comme celle-là, j'en reçois l'appel. Et si vous veniez me dire en face ce que vous voulez? Vous regardez.
Tu m'entends, mon chéri? Tu m'entends? Peter! Serre fort ma main si tu m'entends. Reste ici! Je vais aller chercher ton père! Peter! Peter, réponds! Allez, parle-moi, je t'en prie! Du coup, Peter est mort et on joue Miles Morales le reste du jeu? Je ne pense pas. Mais en tout cas, on joue Miles Morales. Non, c'est Miles Davis, j'imagine. Mais... Par là-bas. Je l'appelle Morales par habitude. Par où? Pas compris. Ah, par là. Non, par le bâtiment lui-même. Ça va? Ça va, petit. Tu vas bien? Oui, 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 oui. Et toi, est-ce que ça marche? Je vais bien. Ça va. T'es sûr que ça va? Oui, ça va aller. C'est fini. Je m'en sortirai. Non, non. Bon, écoute, je dois retrouver papa, d'accord? Non. Miles, papa. Non! Miles, non! Papa est ici. Je vais le trouver. Encore le niveau de Spidey. Hein. Papa est en vie, je le sais. Il était juste là. Mais qu'est-ce que... Longer le bord pour les contourner. J'entends répondre à des textos en même temps et du coup. Non! 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 T'es bien, ma Wendy. Tu bien. On s'en est au champ. 看看讲他那里有没有活人。还有什么？别动静。Je dois trouver un moyen de les contourner. Pas pour l'instant. T'es mort. Je dois trouver un moyen de les contourner. Toujours en train de m'emmerder quand je suis en train de jouer. C'est affolant. Pas pour l'instant.
personne ne le voit. Alors qu'en vrai, ça fait du bruit de marcher sur un IPN tordu comme ça. Une chance de te péter la gueule. Du coup, à aucun moment t'es discret en vrai. Oh non mais genre. Juste là, je dois l'aider. Je suis là, papa. Nous devons partir, tout de suite. Papa. Oh, le coup de bol. Papa. Réveille-toi, papa. Réveille-toi, allez. Réveille-toi. Toutes mes condoléances. Est-ce qu'on se connaît ? Je suis Peter Parker. J'étais à l'hôtel de ville quand... Écoute, je sais qu'on ne se connaît pas, mais... Je voulais seulement te dire... Je comprends ta douleur. C'est bien ce que t'allais dire, pas vrai ? Ou... La douleur s'estompe avec le temps. Ou ne t'en fais pas. C'est Dieu qui a un plan pour toi. Je suis désolé, j'ai essayé seulement de m'aider. Je sais. Je suis vraiment désolée. Je ne sais pas comment je vais faire avec lui. Il suffit de le faire mort par une araignée radioactive et puis ça devrait se régler. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez lancé les recherches sur Martin Lee ? Je vous ai dit que je pouvais pas engager une chasse à l'homme sur la base d'une intuition de Spider-Man. Mais puisque je vous dis que c'est votre homme ! Apportez-moi des preuves tangibles et on en reparlera. Des preuves tangibles ? Super. Salut, c'est moi. Salut. Alors, comment tu te sens ? Comme quelqu'un qui a merdé et à cause de qui un gamin a perdu son père. Je te connais trop bien pour essayer de te convaincre du contraire.
Et la police? Ils ont des pistes sur Lee? Non, ils le cherchent même pas. Même Yuri me croit pas. Alors c'est à nous de le retrouver. J'ai fait quelques recherches. Rends-toi à cette adresse. Martin Lee a acquis une participation majoritaire dans ce centre de tri l'année dernière. Tu penses que c'est là-bas qu'il se cache? Possible. On sait qu'il est pas autiste. S'il n'est pas non plus au centre de tri, il y aura peut-être des indices qui permettront de le retrouver. Ouais. Beau travail, monsieur. Je t'appelle si je trouve quelque chose. Oh, j'aurais dû filmer ça! Un inspecteur m'a parlé des démons qui sont interrogés. Ils prétendent tous que Martin Lee a la capacité, je cite, de corrompre la population. Corrompre? Qu'est-ce que ça veut dire? Ils disent que c'est un genre de contrôle mental qui fait ressortir ton côté négatif. Tu fais des choses que tu ferais pas d'habitude. Ouais, un peu tiré par les cheveux pour moi. De la part d'un type qui court sur les murs, c'est le comble. Du coup, bah voilà. Papa de Miles est mort. Aujourd'hui est un jour de deuil. Je sais pas si c'est dans ce jeu qu'on voit. On rend hommage au héros disparu comme Jefferson Davis. Mais c'est aussi aujourd'hui qu'il faut clamer plus jamais ça. Ça s'arrête maintenant. Certains affirment que je mets tout sur le dos de Spider-Man. Alors non, je ne l'accuse pas pour l'explosion. Cet acte est celui d'un être lâche et immonde qui en est le seul responsable. Mais si nous voulons continuer à protéger New York, nous ne pouvons plus tolérer l'anarchie dont Spider-Man et son engeance font la promotion. Ceci est notre ville. Et nom de nom, nous allons la reprendre. Je fais les tours en passant parce que c'est plus pratique pour moi. Petit sac à dos en passant. MJ était juste. Cet endroit brouille de démons. Je dois me débarrasser d'eux. Je ferai du repérage après. Du coup, pour l'instant, vous voyez pas de succès, hein, parce que c'est des choses que j'ai déjà fait. Du coup, j'ai pas de... Oui.
Ok, le compte est bon. Une serrure haute sécurité. C'est plus courant dans les banques que dans les centres de tri. Je pourrais peut-être trouver d'où vient l'alimentation. Je devrais pouvoir contourner le circuit. Il me faut mes toiles électriques. Bon, au moins ça marche. Et on dirait que les circuits ont besoin d'un peu plus de jus. Et voilà. Le circuit a l'air encore stable. Il y a peut-être une autre boîte de dérivation dans le coin. Trouvé. On y est presque. Encore une et ça devrait être bon. Et voilà. Ça vient de l'armurerie de Fisk. Oh bordel. Des camions piégés ? C'est dingue. Ça doit être là qu'il compte frapper. Attends. C'est le bureau de campagne d'Osborne. Ce sont des explosifs du chantier de Fisk. Mal de matos high-tech. Peut-être que je pourrais recycler tout ça pour m'en faire des armes. C'était pas une guerre de gang. Les démons n'ont volé Fisk que pour s'en prendre à Osborne. Salut, t'as trouvé Lee ? Non, mais t'avais raison. Lee utilise cet endroit comme planque pour les démons. Il y a des bombes, des armes. Oh, c'est pas vrai. Et on dirait qu'il prépare une autre attaque. Cette fois, contre le bureau de campagne du maire. Lee doit avoir une dent contre Norman Osborne. J'ai trouvé une adresse. Je crois que c'est leur base d'opération. Si je me dépêche, je devrais pouvoir les arrêter. Sois prudent. Yori, c'est moi. T'as le temps. Faites vite. Mon chef m'attend pour me passer un savon. Martin Lee et les démons préparent une nouvelle attaque. Cette fois contre le bureau de campagne de Norman Osborn. Vous êtes sûr ? Parce qu'on a eu pas mal de fausses pistes cette semaine. Faites-moi confiance. Je vous envoie l'adresse d'un centre de tri. Vous y trouverez toutes les preuves dont vous aurez besoin. Entendu. Je vais faire évacuer ce bureau de campagne. Mais si je fais ça pour rien, vous aurez mon licenciement sur la conscience. Oui, c'est pour... Tu peux en prendre, oui. Oui, c'est pour toi. Quoi ? Je veux vraiment kiffer. Ouais, bah marche. Consolidated chip. Ouf. Des snipers. Il y a du monde. Faut que j'essaye d'y aller discrètement.
Je peux utiliser ce que j'ai trouvé au centre de tri. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Ça a l'air cool quand même ça. La classe! J'adore utiliser les armes des méchants contre eux. Et ça, mes amis, c'est ce qu'on appelle le karma. Touche, parfait. Ils ont des yeux maintenant. Fais dodo. Coucou, Spanier. You can.
Lee n'est pas là. Je ferais bien de regarder à l'intérieur. Ils ont des bases au cacon de la ville. Ah, il y a des bases de démons, d'accord. Du coup, ça doit être les mêmes repères que les autres, je pense. Qu'est-ce que je peux bien trouver d'autre ? La facture d'un garage. Pale Horse Ride. Eh bon, ça fait plaisir, on dirait. C'est pire que ce que je pensais. Les démons disposent carrément d'une armée. Comme si un seul foie mortel suffisait pas. Je sais pas à quoi je m'attendais, mais clairement pas à ça. Hey, MJ, je crois que j'ai fait échouer l'attaque des démons contre le bureau de campagne de sport. Bien joué. Non, mais j'ai trouvé quelque chose qui tourne à creuser. Un endroit appelé Pale Horse Ride. Quelque chose. Je vais vérifier, je te tiendrai au courant. Silverbird, nous nous dirigeons vers l'emplacement. En voilà un autre. Paré à tirer. C'est nouveau, ça. Non, celui-là est pour moi. Je vais lui mettre une balle à ce fils. Hé ! C'est pas comme ça qu'on fait ! Chier ! Nous ! Code SM1. Wow ! Et avant de commencer, on pourrait se présenter ! Code SMA, nous attendons les ordres. Reçu code SMA, visuel confirmé. Attendez Silverbird. C'est quoi ça ? Ah, sur l'échelle de je me la raconte, c'est 8 sur 10. Ok, 9 sur 10. Relâchez-le. Il est avec nous. Yori, vous pouvez m'expliquer ? Voici Silver Sablinova. Elle dirige Sable International. Une force de sécurité privée. Elle a été engagée par le maire Osborne. Ah, le maire a son armée perso maintenant ? La prochaine fois que vous êtes dans mes pattes, je serai pas aussi gentille. Allez-y. On se voit plus tard. Eh ben, monsieur Osborne, on se refuse à rien. Désolé pour cette histoire avec Sam. J'aurais dû vous en parler plus tôt, mais c'est arrivé si vite. C'est pas grave. Je suis toujours votre meilleur ami. Vous n'êtes pas mon meilleur ami. Là, vous me faites de la peine. Bref, Sable est dans les petits papiers du maire et a pour ainsi dire carte blanche. Nous avons trouvé de nombreux indices sur l'attentat à l'adresse que vous nous aviez fournie, mais rien qui n'incrimine Martin Lee. J'y travaille. Salut MJ. Bon, j'ai des infos sur les autres commerces détenus par Martin Lee. Il possède des propriétés partout dans la ville. Ah. Les endroits correspondent à cette carte que j'ai trouvée dans la boîte de transport. J'irai faire un tour. Tu
tu me diras ce que tu trouves dans chaque bâtiment. Touche tous les 5 minutes en jeu. Ça marche. Affolant. Je me rends au centre Fisk, voir si je peux en apprendre plus sur ses motivations. Et sur ce qu'il a derrière la tête. D'accord. Je sais pas pourquoi j'ai envie d'utiliser double joystick pour faire ça, au lieu des doubles gâchettes. Non. Lee n'a qu'une seule cible en tête. Norman Osborn. Faut obligé de crier, hein. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui avec ma petite araignée en tenue secrétoire avec les points électriques qui sont sympas. Ça nettoie bien, je trouve. Le jet de toile est pas mal utile pour ça, hein, mais commence à devenir un peu faiblard, j'ai l'impression, contre certains ennemis. Assaut chargé, pas besoin. 2 points. Prendre ça un peu plus. 2 points, là c'est quoi? C'est 1 point, si je continue. 2 points. C'est 1 point encore. 2. Et 2. Ouais. 3. Alors bientôt on aura fait tous les 1 point et donc du coup on sera obligé de passer sur les autres. Du coup, quand on voit les pouvoirs de tenue, bon, la concentration qui monte plus vite et tout, j'ai pas trouvé ça fou. Hein. L'entoilage, l'explosion de toile, c'est sympa, mais bon, c'est pas grave, voilà. Ça, je trouve pas ça fou. Ça, non. Ça, why not? En fait, les ondes là, ça, oui, ça pourrait être des trucs intéressants, mais en même temps. Je trouve que les pas électriques sont vraiment top, quoi. Du coup, normalement, j'aurais porté ça pour la tenue électrique, mais bon. La tenue là aussi, je la trouvais chouette, mais j'ai peur que ça fasse un peu trop néon. Du coup, en bleu comme ça, ça le change un peu bleu, noir, rouge. La tenue de Stark pour la suite, parce que là. La bof. Il nous reste quoi? Il nous reste celle-là, la MK2. C'est pas fou non plus. A voir après, hein. J'ai l'impression qu'on en débloquera niveau 19, niveau 21, niveau 23, 26. Débloquer de tenue avec les niveaux. 35, 41. Ah, 45, ça va jusqu'à 45 le niveau. Ouf. Ouf. Tenue de Black Cat, ok, j'imagine. Sac à dos et pas de pouvoir intégrer. Oui, après c'est les tenues, on va dire un peu cinématographique du coup. Alors, mais avancer, c'est quand même cool. Hein. C'est horrible. Ça, c'est celle d'Amazing Spider-Man. Je me demande si celle-là, c'est pas la première de ceux avec comment qu'il s'appelle. Parce que l'araignée comme ça, elle me parle. J'ai l'impression que c'est la tenue de Tobey Maguire. Quatre fantastiques, voilà. La blague. Fondation du futur, ça me parle pas du tout. Je connais pas certains Marvel. Et ça, j'avais l'impression que c'était celle de Stark, mais. Et ça, c'est celle donc de Far From Home. Mais au final, celle de Stark. Ouais, si, ça a l'air d'être le même skin que celle de Stark. Au final, peu d'intérêt. Bon, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie de ne pas hésiter à mettre un pouce bleu, de mettre un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne si ça vous plaît. Et puis, je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao, bye bye.